que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos. Salut, salut YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un youtubeur que j'aime. Le youtubeur que j'aime quand je regarde ses vidéos. Et ses vidéos, elles sont bien. Je pense que tout le monde le connaît. Quand il est connu, quand même, il y a 3 millions d'abonnés. Il s'appelle Gaby Stress, c'est un. Toi, tout le monde le connaît, mais j'ai envie de parler de ça parce que j'aime bien. Gaby Stress, c'est un youtubeur qui fait des vidéos, et ses vidéos, ils sont bien, comme. Ça est aussi sa personnalité, elle est bien quand j'aime bien quand il fait des. J'aime bien quand il fait des vidéos et des clips, quand aussi il fait des vidéos et en même temps il rappe. Et franchement, je sais pas comment il fait pour avoir beaucoup d'abonnés, mais en tout cas, il est bien. Il parle de tout et de rien, il fait des pranks. Il fait des. Avec Momo, c'est son frère. Franchement, j'aime bien comme youtubeur. Moi, j'ai pas de préférence, mais quand moi, j'ai 5. J'aime 2. 2, 3, 2 youtubeurs et un enquêteur que j'aime. Les deux youtubeurs, le premier youtubeur c'est GamiStress et le deuxième c'est TheGuerry78. Et Prince aussi. Ils sont 3 millions d'abonnés et non, Prince il a 1 million d'abonnés. J'aime bien quand les trois font des vidéos, c'est marrant. Ça fait rigoler. Et un enquêteur que j'aime bien, un enquêteur de tout paranormal, c'est, comment il s'appelle, c'est Jerry, non c'est Steve, c'est un enquêteur du paranormal, tout le monde le connaît, je suppose aussi, et quand il enquête dans les maisons abandonnées, dans les trucs comme ça, c'est impressionnant, c'est wow. Même moi, j'ai pas envie d'être seul dans une maison abandonnée. Lui, quand il y va, respect. En plus, il y a lui, Philippe et tout, quand il enquête sur les esprits, sur la vérité, il enquête sur la vérité du paranormal. Je sais pas, mais il y en a qui le critiquent, mais moi, franchement, je critique pas. Moi, j'aime bien. Et c'est vrai que quand tu fais une vidéo, quand en vrai, tu fais une vidéo dans le paranormal, c'est pas du trucage, c'est pas du fake ou du trucage. C'est vraiment la réalité, c'est vrai quoi. Il enquête et tout. Et ceux qui le critiquent et ceux qui n'aiment pas, franchement, je sais pas pourquoi vous regardez ces vidéos alors. Mais en tout cas, moi j'aime bien parce que voilà, c'est du réel. Il enquête dans la réalité quoi, pour la vérité du paranormal quoi. C'est pas scientifique, mais voilà, c'est un enquêteur et il veut savoir si le paradis existe. Moi j'y crois, quand voilà, je suis marocain, bah oui, il existe comme tout le monde. Mais lui c'est son ami, quand les vidéos, il parle avec. Il enquête dans des maisons abandonnées, ou des fois dans des châteaux et tout, avec des machines, quand il parle aux esprits, là, il y a une machine Spirit Bot, c'est une machine, c'est une sorte de. Ce que j'ai entendu, c'est une sorte de radio où tu peux communiquer avec des esprits. Il enquête aussi le K2, le cadeau, le K2. C'est un truc énergétique. Putain, j'arrive pas à lire le mot. Ouais. Franchement, moi les youtubeurs que je regarde, le youtubeur que je regarde, même les youtubeurs que je regarde souvent, c'est GamiStress, un youtubeur, et TheGuerry78, et Prince, et le Mulettard, les 4 youtubeurs que je regarde souvent. Et en enquêteur que je regarde souvent, c'est Steve Frezak, ouais, c'est Jericho. Un enquêteur du paranormal. Et franchement, entre enquêteur et entre youtubeur, il y a une grosse différence.
Quand les youtubeurs ils font des vidéos où ils parlent de tout, où ils font des jeux, où ils font des pranks, et un enquêteur du paranormal, lui il est dans la réalité, lui il veut enquêter dans la réalité, il veut enquêter dans le paranormal, il veut découvrir la vérité sur le paranormal. C'est son avis, c'est sa chaîne, c'est son thème. Moi j'y crois quand voilà, je sais que ça existe, quand j'en ai vécu des trucs chez mes parents. Et voilà. Bref, ben voilà, c'était une vidéo au sujet de. Ouais, une vidéo comme ça, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Mettez un j'aime, partagez la vidéo. Et ciao. Ciao, ciao.